Et les gars, au top, on se retourne. On va sur une quinzaine de mètres. D'accord ? On reste sur place là-bas. Au deuxième top, on revient. On vient tous ensemble, on reforme le cercle de départ. Ok ? Allez, sur les appuis, les gars. Top ! Allez, 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 allez ! Ok, là, on bloque. Allez, viens là, 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 là. Top ! Oui ! Ok. Allez, les gars, bon match. Allez, gars, allez, 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 bon match. Allez, bon match, les gars. Allez, les gars. Très haut, bloc haut d'entrée, les gars. Tout ce qu'on fait haut, défensivement, offensivement. Allez, crayon. Allez, les gars, bossez, bossez, bossez. Allez, Nio, allez, les gars, éclatez-vous. Allez, championnat approche. On prépare. Allez, Francky. Allez, boy. Loris, avec Loris Néré. Il est là, juste au milieu là. Avance. Ah, pour ça, ouais. Tu vois, par exemple. Voilà. Allez, mieux que ça, Loïc, le ballon il doit toucher un bleu là. Reste en place, Bailly, t'es bien, reste entre deux. Ah, avec Loïc, ferme. Ouais. En tout dos, Loïc, après. Oh, on joue les gars. Écoute, très content, une victoire c'est important. Donc voilà, 1-0, pas pris de but. Donc, et tes sensations? C'était le premier match de la saison, donc ça fait du bien de rejouer. Et puis donc voilà, ça fait avec plaisir de retrouver les terrains. Et puis voilà, la saison est lancée. Tes ambitions pour cette année? Bah voilà, c'est de faire de beaux matchs à domicile, mettre le feu à domicile et je pense avoir une maîtrise collective intéressante et puis viser le plus haut possible. Voilà, on va toujours tout donner, c'est le plus important. Super, merci. On vient rarement ici, donc c'était l'occasion de faire voir un peu les installations du temple, que les gens connaissent un petit peu ce qui se passe ici. Donc voilà, on a bien été reçus, le terrain était très bon. Voilà, on était comme à la maison. C'est, je vais dire l'objectif, mais en tout cas, c'est les valeurs de Valenciennes. Bah, c'est pour ça que moi, je voulais qu'on reste ici, d'aller jouer à 200 bornes, devant des inconnus, ça ne nous intéresse pas. Il faut que les gens connaissent nos joueurs. Voilà, qu'ils sentent qui ils sont. Voilà, non, c'est une vraie stratégie. Hein. Le match, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, le match, il y a eu du. J'ai trouvé que c'était pas trop mal. On est en termes de possession, on est pas mal. Après, on manque un petit peu d'efficacité devant. Chose qu'on devrait régler dans les joueurs qui arrivent, en principe. Donc, il manque un peu de poids, mais globalement, techniquement, on est très à l'aise, on est très courageux aussi. Et puis. J'ai des joueurs qui ont envie de jouer ensemble, ça c'est un gros avantage. Ouais, ça s'est senti justement, on sent une vraie cohésion autour de toi, bah, du staff. Bah, écoute, les trois quarts, on est à 60% d'effectifs, c'est des joueurs qui arrivent du centre. Après le reste, on a des bons cadres,
qui sont très à l'écoute et qui sont très écoutés, donc forcément ça fait un bon amalgame. Justement, on a l'impression que Nestor, ça fait 5 ans qu'il joue avec vous. C'est bien pour ça que je le désirais à fond, quoi. Voilà, on ne s'est pas trompé sur le joueur, sur l'homme non plus. C'est quelqu'un de bien. Après, il y a encore du job, hein, parce que bon, hier, on sort d'une grosse séance. On avait prévu 70, on est obligé de faire moins pour certains, parce que ça n'arrivait plus. Voilà, on est dans la continuité de notre objectif. C'est la dernière ligne droite, entre guillemets? Ouais, c'est la dernière ligne droite, mais bon, on continue à bosser. Hein, il ne faut pas qu'on lâche, parce que si on sait qu'on va avoir un championnat difficile, forcément. Mais on part pas favori. Mais nous, on a travaillé avec beaucoup d'humilité et ça couche. Vendredi, tu retrouves le Hainaut ? Ouais, il est temps. Donc c'est une bonne chose, on se retrouve à la maison. Mais bon, aujourd'hui, c'était bien aussi, on était comme à la maison. Donc,